avait les hein. Laisse la bague. Déjà, on va avoir une femme battante qui cherche à découvrir la vie, l'assassinat de son mari, qui a décidé de taper sur la dame afin de découvrir la vie, parce qu'elle sait que c'est la mort. Elle réclame justice pour son homme. Elle doit bien ça à ses enfants. Donc, j'ai voulu une femme battante pour moi aussi. Parce qu'on remarque qu'à la mort du mari, il y a ses enfants qui sont là. Et la belle-famille qui veut s'accaparer des biens, déjà c'est un message fort pour là. De ne pas se laisser faire. Il faut toujours savoir ce qu'on veut, ce qu'on aime. Donc, bel exemple de combativité. Parce que deux ans, un an et demi, quand vous regardez un peu l'actualité au Burkina Faso aujourd'hui avec tous les audits qui se passent dans les sociétés d'État, dans les institutions, on se rend compte qu'on aurait pu encore approfondir ce sujet. Donc, en ce sens, je veux dire que c'est un sujet inachevé, oui et non, parce qu'en fait, c'est une porte ouverte, c'est juste un prétexte pour poser la question, ouvrir le débat sur la lutte contre la corruption, qui est une lutte de longue haleine et qui n'est pas un problème de Burkina Faso, mais qui est nécessité dans toute l'Afrique, pour ne pas dire une dimension universelle.